Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons retrouver Maurice Genevoix, lieutenant, debout dans la tranchée, en pleine nuit, où il a été réveillé comme d'autres. Au moment où il allait s'endormir, il a été réveillé par des tirs. La suite de cette histoire se trouve dans la présente vidéo. Et je vous rassure, les Allemands vont attaquer, mais le récit que j'ai choisi là ne conduit pas les Allemands dans les tranchées, où se trouvent les Français. Ce sont des tirs, essentiellement. Voilà, voyons voir le détail. Déjà là-bas, les longs traits des fusées. Les Allemands tirent des fusées, donc, raient le ciel. Et très haut, s'épanouissent les éblouissantes étoiles. C'est un peu un feu d'artifice, hein, ça. Et en plus, c'est de couleur verte, dont la lueur verte vient mourir jusqu'à nous. C'est un peu un feu d'artifice. C'est les fusées éclairantes. Silencieux. Silencieux, nos hommes regardent. Le feu d'artifice. Une détonation soudaine, nette, impérieuse, fait passer parmi eux un frémissement. Oui, une détonation, c'est autre chose. Voilà. Trois autres s'enlève à la file avec la même vigueur allègre. Trois autres détonations. Et de petits obus rageurs sifflant, pointus, jettent par-dessus nous leur trajectoire rigide. Des petits obus. Ouais. Des rires d'enthousiasme les saluent. Oui, parce qu'ils sont passés au-dessus. Ils sont allés tomber à l'arrière. Ah, vieux, vous pétez comme ça, il n'y a que 75. S'ils y mettent les petits frères, ta gueule. Qu'ils vont dire aux Boches. Mince alors, qu'est-ce qu'on leur passe? Oui, parce que les Français répliquent à l'arrière par des canons aussi. À présent, là, les gros qui tousse. Oui, les soldats des tranchées sont pris entre les canons français qui ripostent et les canons allemands qui tirent. À souhaiter qu'il n'y ait pas des obus qui tombent un peu court parmi les soldats français. Mais là, ce n'est pas le cas. Dans cette réveil nuit, ils n'ont pas besoin de réveil matin, sapristi. Au moment de se coucher et de s'endormir même, on est réveillé par ça. C'était dans Souverdun. Souverdun. Une division de saut de 14 de Maurice Genevoix. Eh bien, après avoir décrit cette situation, je vous souhaite de ne pas vivre la même, et donc pour ce soir, de vous endormir tranquillement, sans être réveillé par un shrapnel, par un mauser, par un obus qui tombe. Voilà. Bien, je vous dis au revoir et à la prochaine historiette de Maurice Genevoix. Au revoir.